Bonjour Bruno Rotaillot. Bonjour, merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. Vous êtes le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de Vendée, et puis président de Force Républicaine au sein des Républicains. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sera à Mulhouse. Il va annoncer son, le premier volet de son plan contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. D'abord, séparatisme islamiste, qui est désormais une expression décidée et assumée par le gouvernement, par Emmanuel Macron. Est-ce que vous estimez que c'est une expression qui est juste? C'est extraordinaire parce qu'il aura fallu trois ans à Emmanuel Macron depuis que il est élu président de la République pour faire le choix de la terminologie communautarisme séparatisme séparatisme islamique alors qu'on est en train de perdre la bataille précisément contre l'islamisme. Moi, je vais vous dire ce qu'il va faire cet après-midi, Emmanuel Macron. Il va faire ce qu'il fait de mieux d'ailleurs, ce qu'il fait depuis trois ans. Il va faire un discours. Le discours. C'est blabla, là, quoi. Ça, en tout cas, où sont ses actes euh, les, les actes, par exemple, après la préfecture de police de Paris. Euh, le cœur de l'antiterrorisme français. Ce, que vous, ce, frappé, que vous, ce à quoi vous faites référence, c'est effectivement. Euh... Le 3 octobre dernier, voilà. quatre fonctionnaires de police massacrés, qui travaillaient dans le service de renseignement de l'antiterrorisme de la préfecture de Paris, ils sont massacrés par l'un des, des leurs. Et quelles sanctions y a-t-il eu Y a-t-il eu une démission y a-t-il eu un limogeage Alors que euh, M. Michael Herpont euh, avait déclaré juste après les attentats de 2015 qu'il les comprenait, il les avait justifiés et on l'a laissé dans ce service. Donc euh, euh, cet exemple montre bien que les leçons n'ont pas été tirées et qu'il y a une formidable ambiguïté de la part des Macron. Les, les leçons n'ont pas été tirées bien bah, sûr que Non, ça y est, il y va, il, il sera sur le mais terrain. Il donne des ans. Ça fait trois ans. Et vous m'interrogez. Mieux vaut tard que jamais quand même. La première que ça question, c'est de dire et les mots. Et le choix des mots. Il C'est vrai que le choix des mots, il est important. Ça fait depuis des années que je me bats pour dire aux hommes politiques français, de droite ou de gauche, il faut désigner l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas seulement le séparatisme, ce n'est pas seulement le communautarisme. L'ennemi, c'est l'islamisme. Voilà. Bah, il y vient. Séparatisme-islamiste, il, il y a les deux morceaux de votre phrase. Mais, mais précisément, après trois ans. Et c'est très tard. Et j'espère qu'il va le faire euh, sans institutionnaliser un islam de France. Sur le fond, est-ce que les mesures qu'il propose, est-ce que les mesures que vous proposez, à un moment ou à un autre, se rejoignent Moi, j'aimerais qu'elles se rejoignent. Ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des propositions, notamment au Sénat, vous savez, on a voté un texte pour interdire les signes ostentatoires euh, dans l'école hors les murs, en sortie scolaire. Bien sûr, il les a refusés. J'avais proposé aussi un texte pour interdire les listes euh, communautaires il a refusé au Congrès des maires. Donc euh, il y a des paroles, il y a des discours. Moi j'avais été séduit par euh, le discours qu'il avait fait euh, au, au moment, euh, c'était dans la cour des invalides, au moment de la mort du colonel Beltram. C'était un très beau discours. Il avait à l'époque d'ailleurs dénoncé ce qu'il avait appelé leader islamiste. Mais comme souvent Emmanuel Macron prononce des mots mais qui euh, reste au stade de la parole ce que on lui demande c'est des actes Alors, parce attendez, que encore en une aura... fois on est en train de perdre il y en aura des actes et d'ailleurs dit-il euh, il y en a déjà puisque par exemple le quartier où il va tout à l'heure c'est un quartier <coughs> qui a déjà l'appellation reconquête républicaine est-ce que ça marche Écoutez, la DGSI, euh, a comptabilisé plus de 150 enclaves territoriales communautarisées. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que Emmanuel, doit Emmanuel Macron doit comprendre, c'est que on doit avoir un combat global contre l'islamisme. Ça veut dire qu'il faut combattre. Mais regardez, il fait par exemple du Il faut soutien, combattre, du terrorisme. Soutien il Ça, faut combattre le terrorisme. Il faut combattre le terrorisme. Le terrorisme. J'ai indiqué qu'après la préfecture de Paris, rien ne s'est passé si en mmh. réalité. Le Premier ministre a annoncé deux enquêtes administratives. Fichtre, est-ce que vous pensez que ça va terroriser les terroristes Donc, un, euh, premier combat contre le djihadisme, le terrorisme. Deux, contre les enclaves. Que fait-on dans les enclaves Quartier de reconquête républicaine, pour l'instant, rien ne change. Rien ne change. Et enfin, les mots. Les mots, vous avez raison, ils sont importants. Mais euh, quand euh, Emmanuel Macron, par exemple, culpabilise la France et les Français sur la guerre d'Algérie, il ne se rend pas compte qu'il fait. Le jeu des islamistes qui eux-mêmes utilisent la rhétorique décoloniale pour l'agréger euh, à leur rhétorique islamiste. Et, et quand on. Pour justifier dis... la, la Bien haine sûr. de la France Bien sûr. Pour dire que la France est coupable. Et que et d'ailleurs ils sont en train de reconstruire l'histoire de la guerre d'indépendance comme une sorte de djihad libérateur. Et on voit bien que là la pensée djihadiste rencontre la pensée décoloniale. Et quand on dit que la France a commis un crime contre l'humanité, quand on fait le parallèle bien sûr entre la Shoah et la guerre d'Algérie, on apporte de l'eau au moulin des islamistes qui veulent dire à nos compatriotes musulmans méfiez-vous. La France est détestable. Oui, Elle n'est pas aimable. Mais, mais ne Bruno vous Rotailleau, intégrez pas à la communauté nationale. Bruno est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, euh, vous pointez toujours les responsabilités euh, du côté euh, de l'islamisation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des responsabilités à avoir, une sorte assumée, euh, nos euh, fautes à nous euh, dans euh, les territoires, dans euh, ce, qui, ce qui a pu se passer. Vous parlez d'enclave. Est-ce que c'est une enclave au sens où c'est eux qui se soient qui se sont retirés du reste de la communauté, ou est-ce que c'est une enclave au sens où euh, le reste de la République, la France, les a ghettoisés pas du tout. Euh, D'ailleurs, Hugo Micheron, qui est un jeune chercheur, montre très très bien que euh, la problématique... Auteur de du djihadisme français. Exactement. Que vous avez, par exemple, dans l'Hérault, euh, une commune, Lunel, ses 25 000 habitants. Vous avez, par contre, dans des grandes banlieues, quartiers nord de Marseille, qui sont beaucoup moins touchés par ce phénomène. Donc, euh, le, le, la géographie du djihadisme ne recoupe pas la géographie des banlieues. Non, non, ce sont des enclaves communautarisées, avisées, séparatistes. Moi, je fais des propositions euh, très Lesquelles clairement. Je pense, par exemple, sur les enclaves, il faut... Une « tax force où euh, l'état lorsque vous aurez une cartographie précise il y a une cartographie elle existe pas suffisamment pas suffisamment il faut poser le diagnostic et il force. faut que l'état avec une task force investisse ces quartiers ça veut dire du point de vue sécuritaire policier et gendarme du point de vue judiciaire pour judiciariser du point de vue des impôts des douanes du point de vue de l'éducation nationale pour vérifier les écoles il faut un retour de l'état seul le retour de l'État, déterminé pour vaincre justement la fermeture de ces enclaves sur elle-même. Vous parlez d'une cartographie. Euh... C'est presque comme une marque d'infamie qu'on va rajouter sur des populations qui déjà se sentent assez stigmatisées. Mais non. Il y a mais... pas ce risque-là, en bien, bien sûr, il faut, faut d'abord dire à nos compatriotes musulmans qui sont français, totalement français. Mais il faut dire aussi et il faut lutter contre ceux qui veulent s'installer dans la séparation précisément. Il, veut, il faut lutter contre ceux qui veulent constituer un corps étranger dans la communauté oui, mais nationale. Mais c'est pas du coup en les stigmatisant en, en, en nous-mêmes. vous faites l'inverse. Mais vous faites l'inverse. Vous faites l'inverse. Si vous ne tapez pas les islamistes, ça veut dire que euh, vous ne protégez pas ceux de nos compatriotes qui professent la foi musulmane, mais qui n'ont rien à voir justement avec l'islamisme. L'islamisme, ce n'est pas une foi. L'islamisme, c'est une idéologie politique. Donc il faut séparer les choses. Mais si vous ne le faites pas avec détermination, courage et fermeté, ça veut dire que demain, vous livrez... Les Français musulmans qui veulent pratiquer un islam apaisé dans la République, vous les livrez aux mains des islamistes. Vous savez, c'est très clair. Là encore, je reviens à Hugo Michron, mais aussi à Bernard Rougier, qui a fait aussi un, un autre très, très bon livre. Ce sont des chercheurs. Partons de, de, de la recherche, justement, euh, qui est objective. Eh bien, l'un et l'autre ont montré, montré qu'il y a eu une décennie sanglante. On la termine. Il y aura sans doute d'autres attentats. Mais aujourd'hui, le projet de ces doctrinaires, de laprès C'est forcément les actes terroristes C'est plus forcément... Exactement. C'est ces enclaves. C'est de conquérir le sol français à partir de contre-sociétés avisées sécessionnistes. Comme s'il s'agissait de créer des minés États islamistes avec l'application de la charia baladez-vous dans certains quartiers, vous ne verrez pas de, de femmes, certaines heures du, du jour, vous ne les verrez pas notamment dans un certain nombre de cafés, vous les verrez euh, euh, en burqa alors que c'est puni par la loi, etc. Eh bien je crois qu'il faut que la République reconquière ses territoires. Bruno Rotailleau, vous avez parlé d'élus complices, on va y revenir. Complices, c'est quoi et ça se manifeste comment Je voudrais qu'on prenne un exemple précis qui a été très très souvent évoqué, qui est la question des piscines avec des horaires séparés pour les femmes et pour les hommes, et notamment ce qui c'était passé à Lille. Alors Martine Aubry euh, s'en est défendue. Elle a expliqué qu'au départ c'était euh, des horaires de piscine qui avaient été aménagés pour les personnes, pour les femmes en surpoids, pour qu'elles puissent quand même aller euh, nager. Et puis que certaines femmes euh, qui, elles ne voulaient pas se baigner avec les hommes, avaient profité de ces moments-là. Mais qu'en réalité, ça n'était pas l'objectif numéro un. En revanche, elle assume qu'il y a eu euh, une acceptation qui a été faite. C'est que les femmes maghrébines qui refusaient de se baigner avec des hommes ont demandé à ce que les professeurs d'aquajim soient uniquement des femmes. Parce qu'elles disent que si c'est pas des femmes qui donnent les cours d'aquajim, alors leurs maris ne leur permettront pas d'y aller. Est-ce qu'il faut considérer du coup je pense est ce même, cas, elles cas vont très, très concret soigné par des médecins je pense femmes Ce ça sera très la même concret. chose exactement. Mais ah bah si oui, on reste sur ce possible. cas très concret et sur la question de la complicité des mères, est-ce que vous estimez que ça, c'est un cas qui pour vous est inacceptable Il faut dire non à ces femmes-là. Je pense qu'il y a deux types de complicité. Il y a la complicité passive. Je ne suis pas d'accord et la complicité Active le clientélisme. Je fais deux propositions. Sur la complicité... Passive. Par exemple, les heures de piscine, mais aussi dans l'hôpital public, mais aussi à l'école. Ce que nous avons proposé avec Philippe Bas, c'est d'inscrire à l'article 1er de notre Constitution l'autre définition de la laïcité. Nul ne peut se prévaloir de sa croyance ou de ses origines pour échapper à la règle commune. Et ça, vous réglez, y compris dans les règlements des entreprises, vous réglez tous les phénomènes de provocation communautariste. Première chose. Ensuite, vous avez, euh, je l'indiquais, la complicité active. C'est quoi la complicité active Ce sont des élus qui, par clientéliste, euh, essaient, par exemple, d'embaucher un certain nombre d'individus parce qu'ils appartiennent à telle ou telle communauté. Ce sont euh, des maires, par exemple, qui vont faire des subventions pour s'acheter les voix de telle ou telle communauté. Ça, ça n'est pas possible. Ce que je propose, c'est que l'État, et notamment les préfets, qui ont un contrôle de l'égalité sur toutes les délibérations, les actes votés, justement, dans les collectivités, renforcent ce contrôle, et lorsqu'il y a des manquements graves Constater, il puisse y avoir une mise sous tutelle républicaine. C'est une autre proposition que je fais. Mais je reviens sur cet exemple très concret, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance, euh, quand on voit euh, le fait d'avoir accepté que les profs d'Aquagym soient des femmes pour que les femmes agrémines puissent, acc puissent accueillir à accéder Manère, à ces je... piscines. Vous préférez quoi Qu'elles qu restent chez elles, qu'elles ne participent pas Parce que c'est ça le résultat. Mais justement, vous êtes en train de justifier, vous êtes une femme. Et j'imagine que le combat pour la liberté des femmes, pour l'égalité, Est pour moi essentiel comme pour beaucoup de femmes françaises Mais bien, ne justifions pas que les maris aient autorité sur ces femmes en leur enjoignant de ne pas aller à la piscine, de ne pas aller à l'hôpital quand le maître nageur n'est pas une femme ou quand la gynécologue ou le médecin n'est pas une femme. Ça n'est pas possible. Ça veut dire que vous allez envisager une société patriarcale, vous allez envisager en France et justifier surtout en France une société où les femmes seront les. Des inférieurs, bien, des il, y a, il y a le principe et on l'entend très bien ah bah oui, du vivre mais, ensemble. Nos mais toutes ces et petites réalités nés... quotidiennes, vous allez avoir quand même mais des femmes qui, en tout les... cas, dans l'immédiat, avant que éventuellement les choses n'évoluent, dans l'immédiat réalités... ne vont pas être soignées, vont plus aller Ceux à la piscine. Ce que vous appelez les réalités quotidiennes, je les appelle des accommodements injustifiables et de proche en proche, vous construirez en France une contre-société qui échappera totalement à nos valeurs républicaines. C'est-à-dire que on n'aura plus la liberté de conscience, il faudra punir la C'est-à-dire que vous considérez qu'il y a une infériorité des femmes par rapport aux hommes et c'est-à-dire qu'il y aura plus d'amitié civique. Qui que l'on soit, quelle que soit notre croyance, on est d'abord français, républicain, mais il y aura une euh, religiosité, une fraternité religieuse et ça, ça n'est plus possible. On quitte le champ de la République, voyez, avec. Ce, ce genre euh, d'accommodement, d'acceptation de la réalité quotidienne. Bruno Retailleau, est-ce que ça veut dire, si je reviens à cet exemple-là, que euh, le maire ou la mère qui a euh, accepté euh, qu'une femme soit prof de gym exclusivement, doit être mise sous tutelle Ah non, mais que, tu, attendez, les, les femmes ont droit d'être prof de gym quand même, les femmes non mais ont mais droit on, d'être on médecins. On demande à ce qu'il n'y les... ait, euh, dans certains cas, que des femmes non. qui occupent ce genre de poste. Est-ce que c'est une complicité je, je parlais moi de... Est-ce que de, de, de mères qui doivent être mis sous tutelle Je vous dis deux types de complicité. J'ai classé le cas que vous m'indiquiez dans la complicité passive, la complicité active, le clientélisme. C'est compris. Les je choses voulais sont savoir où claires. est le métier. Eh la, la frontière, elle est là. Mais je désapprouve les mères qui n'ont pas cette fermeté, y compris euh, lorsqu'il y a une forme de passivité et qu'ils obéissent aux injonctions, en réalité, euh, des frères musulmans, des salafistes, euh, des tablighi, euh, voilà. Ils, ils ils ne se rendent pas compte qu'ils font perdre à la République du terrain. Alors il y a un autre volet euh, du plan d'Emmanuel Macron qui sera développé un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est plutôt sur les questions effectivement de quartier, de vie quotidienne. Euh, ce sera la question notamment euh, judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait des personnes condamnées pour des faits en lien avec une activité terroriste qui ont été condamnées, qui ont purgé leur peine et qui vont sortir alors, il y a le problème. Il y a deux problèmes. Vous avez raison. Euh, je le mets sous le chapeau de la lutte contre le terrorisme. Vous avez euh, les revenants et les sortants. Les revenants, ceux qui sont actuellement emprisonnés dans les camps euh, au nord-est de la Syrie, et vous avez ceux qui ont été condamnés en France pour des faits de terrorisme, euh, qui ont été condamnés avant la loi de juin 2016. Parce que depuis la loi de juin 2016, euh, il y a la peine de rétention, de sûreté, avec des, des outils de surveillance que nous n'avions pas pour ceux qui sont condamnés avant. Et bien, ce que nous allons proposer. Avec la commission des lois du Sénat. C'est un régime spécifique qui permettrait des mesures de surveillance, des mesures judiciaires et des mesures justement de rétention de sûreté, à condition que les individus aient été condamnés pour des faits de terrorisme, première chose, et qu'ils représentent une dangerosité euh, pour la société. On la mesure comment cette dangerosité oh, Vous savez franchement euh, la justice a été très faible elle a condamné un certain nombre d'individus à très, une dizaine d'années de prison peu importe vous, vous souvenez euh, monsieur Roderick Kenom par exemple c'est celui qui avait été pris en photo avec une tête qui venait d'être euh, décapitée Sanguinolente voilà eh bien croyez moi il n'y a pas besoin oui. de faire de grandes études de psychologie pour savoir que ces gens là ces individus sont dangereux et qu'on ne peut pas les laisser au sortir de prison ils sont 150 pratiquement dans les deux à trois ans qui vont venir avant 2022. Ils seront 150 à sortir de prison. Sauf que vous le savez, c'est anticonstitutionnel. On ne peut pas enfermer je comme pense. ça à vie jusqu'à quand Vous euh, avez vous des gens avez qui raison ont surgé que leur La peine. loi pénale ne peut pas être rétroactive. Il nous semble, avec la commission des lois du Sénat, que si on précise les conditions, je vous ai donné deux conditions un, condamné pour des crimes de terrorisme deux, dangerosité. Il nous semble qu'on peut passer outre et qu'on peut parfaitement s'accorder avec notre norme constitutionnelle. Si jamais il y avait un blocage. Je le dis devant vous et je prends un témoin, les téléspectateurs. Je pense qu'il ne peut pas y avoir une action politique euh, empêchée. Et je pense qu'à ce moment-là, il fera recourir au référendum. Si on nous dit, si le Conseil constitutionnel nous disait non, non, mais vous ne pouvez pas prendre une mesure, certes, cette mesure, elle est protectrice pour les Français, pour nos concitoyens, mais pour un problème juridique, vous ne pouvez pas la prendre, eh bien, je crois qu'il faudra aller à ce moment-là devant les Français en disant voilà, pour ou contre. Une question sur les termes. Euh, on le disait, les mots sont très importants. Il y a ce nouveau mot d'islamophobie avec euh, un comité qui a été créé avec des manifestations qui ont été plus ou moins polémiques. L'islamophobie, ce serait euh, un piège. Un, alors, alors c'est le, le... Simplement, arrêtons-nous quand même un instant sur ceux qui parlent de ce terme et qui ouais. estiment que euh, l'islamophobie, c'est le fait qu'il y ait injure à quelqu'un parce qu'il est euh, musulman. La question étant ce mélange euh, injure, est-ce que c'est du racisme de critiquer une religion, euh, vous vous estimez que c'est un piège, l'islamophobie C'est un formidable piège qui a deux objectifs. Ce piège, il a un premier objectif, c'est d'empêcher toute critique de l'islam de mettre l'islam à part finalement de la critique et de rétablir en quelque sorte un délit de blasphème en France. Premier objectif. Et le second objectif, c'est de solidariser tous les musulmans de France, bien sûr, pour leur dire, voyez, en France, finalement, il y a une islamophobie d'État, il y a une haine anti-musulmane et il faut la combattre parce que les Français, etc. Eh bien, ça, c'est inacceptable. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une haine anti-musulmane Il peut en y France? avoir. Écoutez, le, le racisme, il peut y en avoir. Donc on l'appelle comme ça pour vous, c'est tout. Il peut, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs. Entre nous, les actes qui ont été consignés de racisme, j'observe qu'il y a eu plus de 1000 actes anti-chrétiens, près de 700 actes anti-juifs et un peu moins de 200 anti-musulmans. Donc, ne disons pas que la France, elle a cette haine de l'islam. Non, non, ce d'ailleurs, la population qui aujourd'hui représente moins de 1% de la population et qui subit proportionnellement le plus d'atteintes, ce sont nos compatriotes juifs. Voilà. Euh, la guerre contre l'islamisme est une guerre totale. Voilà ce que vous dites. Euh, c'est une guerre totale et globale. on apprend d'ailleurs ce matin que François Baroin est en train d'écrire un essai sur République et laïcité. Donc c'est vraiment euh, le bien. créneau de la droite aujourd'hui. Bah, c'est le grand. Franchement, je pense que c'est un des grands grands défis. On a passé une décennie sanglante et euh, on est en train de perdre le combat. Toutes les contributions sont bonnes. À je pense que toutes les contributions, bien sûr. Et moi, je suis Emmanuel Macron, euh, a des mots justes. Euh, bien, je m'en féliciterai. Simplement, le connaissant désormais, parce que cette la présidence est une présidence souvent bavarde. J'attendrai que derrière les mots, il y ait surtout des actes. Et je pense que c'est fondamental pour la décennie à venir. Sinon, nous perdrons définitivement le combat. Et vous verrez des enclaves se refermer sur l'ensemble du territoire français. Et pas seulement dans les banlieues. Dans des départements qui sont loin d'avoir euh, justement des grandes, des grandes villes. Bruno Retailleau, un mot sur l'affaire euh, Grivaud, qui est en train de devenir l'affaire euh, Pietraszewski. Euh, quel regard vous portez sur ce cataclysme on a vu une drôle d'époque quand même. vu, une... je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense les Français. Il y a à la fois de l'indécence et... et puis de l'irresponsabilité. L'indécence vis-à-vis euh, -vis du moyen qui est utilisé, qui est une... un moyen euh, d'une violence incroyable. Euh, et... et puis l'irresponsabilité. La diffusion des vidéos privées. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis l'irresponsabilité d'un ministre qui... qui se livre euh, aux... aux mains de cet inconnu. Je... Voilà. Donc je trouve que c'est terrible pour vous notre vous estimez... démocratie. Vous estimez, vous estimez qu'il a commis une faute, Benjamin Griveaux oh, Je pense que c'est irresponsable, bien sûr. J'estime aussi il n'y a pas de... La condition de la liberté, et donc la condition de la démocratie, c'est cette frontière, cette muraille de Chine, entre la vie privée et la vie publique. S'il n'y a pas d'intimité de la vie privée, mais, il mais, ne mais peut mais pas y avoir pas de, de vraie liberté. Mais ça, c'est pas de sa faute Non, bien non. non, mais il, est ministre. non mais il est ministre. Et quand on est ministre, et quand on a des responsabilités, on fait aussi attention. Donc, on, on peut quand même le dire. Il, il a une aurait... forme de légèreté. Il y a une forme non, de légèreté coupable, d'après ce que je comprends. Bien sûr. Un mot sur le procès Fillon, ça a été. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, allez-y. Il, il a tiré lui-même les leçons de cette euh, responsabilité, puisqu'il a démissionné. Il a bien fait, donc Je, je trouve que c'est en tout cas un geste qu'il a honoré, oui. Sauf qu'en France, on ne doit pas démissionner pour Écoutez, euh, des raisons. Il euh, y avait, y a, il avait aussi, j'imagine, d'autres raisons. Vous pensez qu'il y avait d'autres familiales Je pense que là aussi, voulu protéger les siens. Je trouve que ça, c'est totalement honorable. Un mot sur le procès Fillon. Là aussi, c'est aussi des questions de protection des siens. Vous avez été longtemps l'un des plus proches et vous avez surtout été l'un des seuls à le, le soutenir jusqu'au bout. Le procès commence lundi. Vous en attendez quelque chose Vous en attendez quoi bah, J'ai soutenu au bout, jusqu'au bout, parce que je pense que la fidélité en politique, euh, comme dans la vie tout court, euh, ça devrait être une qualité. Voilà, je pense que c'est important. En tout cas, je suis fait comme ça, et, et je l'ai soutenu au bout parce que je pense qu'il avait le bon projet euh, pour relever la France. Il avait dit d'ailleurs que la France était un état en faillite, et il avait le premier, je pense, bien pressenti, ce qu'était le totalitarisme Vous islamiste. Vous n'exprimez pas de regret. Non, mais le, le, le temps maintenant est au procès. N'attendez pas au regret. Ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il puisse faire valoir euh, à la fois un certain nombre de preuves qu'il qu a et qu'il puisse faire valoir son, son bon droit. C'est à pas. lui maintenant et sa famille de, de se défendre. Et je pense que je lui fais confiance. Pas de regret et la confiance, donc toujours renouvelée. Bruno Retailleau, euh, merci d'être venu sur Les RMC et, si, et BFM. bien sûr, c'était une période terrible. Bien sûr qu'il y a des regrets, mais pas pas normal. Ce qui est normal. On verra. Il est 7h54 sur BFM TV et RMC.